Je vous présente notre thème de ce jour, les TIC et sociétés, avantages et inconvénients. TIC signifie technologie de l'information et de la communication. La technologie désigne l'ensemble des études, des outils et des techniques. Elle facilite la diffusion de l'information. Les aspects de la technologie sont la technologie artistique, la technologie sociale, la technologie économique. Il y a plusieurs innovations en technologie qui sont l'électricité, la radio, la télé, les ordinateurs portables et les téléphones portables. L'information, c'est un mode d'initiation à l'outil de conception, de la valorisation, de transmettre les savoirs en les vulgarisant. C'est la variation d'une grandeur physique qui peut être transmise, reproduite et perçue par l'individu capable de l'interpréter. La communication est un moyen de dialogue, d'échange d'informations entre les hommes. La communication a pour avantage les grandes affaires urgentes et rentables pour les grandes entreprises importantes. Comme exemple du téléphone portable, on n'a plus besoin de se déplacer pour transmettre une information ou une lettre. Comme avantage, la communication nous permet de recevoir des informations, les comprendre, les initier, puis s'instruire et vulgariser. Je veux me donner un inconvénient ou un inconvénient sur la communication ou bien l'information. Les inconvénients de la communication sont les individus qui se sont fait arnaquer par les cybercriminels, l'utilisation des portables dans la circulation. L'agression physique afin de posséder un outil de communication comme le téléphone portable est un phénomène lié au développement de la communication. La société, c'est l'ensemble des individus qui partagent les mêmes valeurs. Ces valeurs peuvent être de cohésion, d'état d'esprit, de tradition. Dans un monde de communication et d'information, il est très important d'accéder à une société d'espérance, car une société sans ces valeurs court beaucoup de risques. La guerre, le chaos et l'incivisme. L'information et la communication peuvent nous apporter certaines valeurs. Soit nous permet de nous résoudre, soit nous permet d'être tristes. Ça veut dire nous permet de dégager une certaine émotion. Vive le projet Tamaya! Peu importe le temps. Juste pour toi, bébé.